Bismillah, aoujbillah, mina shaitan rajim. Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Alhamdulillah. Tout va bien. Mashallah. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman. On te remercie pour ta grâce. Peuple de Guinée, et Allah, très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle pour le peuple de Guinée. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Guinée. Et on ne peut que remercier les autorités, oui, à la tête son Excellence Général de Corps d'Armée, Président Mamadi Doumbouya. Avec le travail acharné du président du CNT, M. Kourouma Dansa, le Soussou, langue officielle de la Guinée, le travail est presque fini. Vous pouvez le voir ici sur cette vidéo capturée que j'ai fait, que désormais, dans le Google Traduction, vous avez accès à la langue Soussou. C'est là que nous disons, et tout le peuple de Guinéen, parce que Soso et Kazangamu Soso, je recherche Soussou, ça sort dans Google Traduction. Maintenant, je vais écrire en français et ça va sortir en Soussou. Donc, Mamadi Fey, la Guinée, Wignette Fénard. Mamadi Fey, la Guinée, Birina Fama, Marasebe, bonjour, Tanamou Feigné. Ah oui, bravo. Bravo et merci pour cette reconnaissance. Parce que choisir le Soussou comme langue officielle de la Guinée, c'est une reconnaissance que les autorités apportent à cette communauté aujourd'hui qui, les gens sont en train de dire qu'on est minoritaire à demain au Ontina. Les autochtones. Les autochtones. Baro Ronton ça. Baro Mama ça. J'ai faim. Kamenama. Baro Nwali ça. Mon bébé Baro Ronton ça. Et Baro Nwali ça. Et Baro Nwali sene ça. Bah y bori. Ou ma bori nara. Bah y bori. Ou mbiri nan be y bori ra. Bah y bori. Wallahi, je suis content. Et Mbara sewa. Gi bori. On sait ce mot comme on mourra, mais il faut qu'on en comprenne. Donc, Miriyo Miri, ina tora relindena, ima berira, négatif. La reine a fait une transition. Tu me manques, et rolina ma. Et ra colon, ou ma défagne, ou ma belle rasso bourri, ou ma non sigade yarima, nan enfant ou mbe, dîne, ou nga, bire ou mbori. Parce que bire bourri, tes enfants, ira ou radi. Wombire bori. Womuse se yala ma wombira ha wombori. Mengesan wokon tongri. Womama sari. Wonu woli. Wososoru tongofe. Voilà, il y avait cet article qui était sorti depuis. J'ai sommeil. Nansafe. Cet article qui était sorti depuis. Soussou, langue nationale de la Guinée. Le combat pour son officialisation semble avoir porté ses fruits. L'article avait été sorti, le président a validé, avec l'avant-projet de la nouvelle constitution, on ne peut que s'en réjouir. Ce n'est pas parce que je suis Soussou, je suis en train de dire ça, non, parce que dans toute chose, la reconnaissance est plus importante. Aujourd'hui, ce président qui est bon, je ne vais même pas dire ça, c'est un Guinéen, a choisi les autochtones, la langue des autochtones, qui sont les premiers habitants, de prendre, de Conakry, de dire que c'est votre langue qui va être langue officielle ici. Ça, c'est une reconnaissance. À saluer. À saluer. C'est ça la vérité. Sinon, aurait été d'autres, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, c'est une victoire de tout le peuple guinéen.
La Guinée Biringa victoire en Nigeria, ce sera une fin de langue officielle là. Parce que ce sera une fin de langue officielle là. Ce soit quand Sangama Raoui Falama, alors Naham Falariki. Et ça, c'est très important. Très, très important. Donc, fait belle belle nara. Wonga Mengesaini, remercier. Wonga Mengesaini, Walisa. Wonga Mengesaini, Ronton ça, Gifema. Yo. Ba, Birin ce sera une même. Faut n'a ton da falade. Birin sosoro imema fona ranto na faladi sosoro ilu kioki a kerin kerin tan birin amema men fo eto na faladi. C'est ça la vérité. Donc peuple de Guinée, si vous me voyez devant vous ce soir, c'est pour vous annoncer cette bonne nouvelle que désormais toute personne qui serait en Occident et que votre campagne compagne est une étrangère, vous pouvez tout simplement communiquer avec elle dans votre langue, dans notre langue Soussou. Parce que Soussou, on biringa langue nara. La Guinée ka biringa langue nara. C'est ça. Et là, Alra fini, on berouna kelira. Yari masigi, Alra fi, on makoui. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Et il n'y a pas de mots, franchement. Ce n'est pas pour dire que non, on est en train de faire ça parce qu'on veut l'électorat des sous-sous. Non, non. C'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là. Tout le monde sait que Kamiriwa Mamengea Roma Borukui. Imengea Sotoma Takanyenana. Et une chose que tout le monde doit comprendre et tout le monde doit affirmer et reconnaître que les sous-sous qui ont été les premiers habitants ont facilité l'accès à tous les autres Guinéens de venir s'installer en basse-côte. C'est ça. Pour ça, seulement, ça suffit. Parce que le Soussou, il peut te donner... C'est les Soussous qui ont donné leur terrain à tout le monde. Il peut te donner ses terres, il peut te donner sa fille, il te donne même sa propre maison, lui, il dort dehors. Donc aujourd'hui, le minimum, le Soussou mérite qu'on le récompense de ça, au moins le minimum. Donc, en finir, on est en débat, que personne ne dise que non, c'est rentré-sorti comme ça, qu'on est polémique même pas sur ça. Nous devons tous nous réjouir de ça. Parce que c'est le Soussou qui était premier habitant. Si le Soussou n'était pas gentil, il n'allait pas faire l'ouverture, donner accès à tout le monde de venir s'installer à Conakry. C'est ça. Merci au président, son excellence général corps d'armée, mais président Mamadi Doumbouya, merci au président du CNT, docteur Dansa Kourouma, merci à tous les membres du CNT, merci au peuple de Guinée qui ont travaillé pour que, voilà, tout ceci-là aboutisse à un résultat positif. Ensemble pour la Guinée, esprit collectif, on ira jusqu'au bout. Non di barakolo. A très vite, Inch'Allah.